Il faut trouver l'endroit où nous pourrons rêver, nous aimer seuls dans le coin tranquille. Ils sont pas là? Non. Tant pis, on va s'installer, Tapin. Oui. Je vais m'en occuper. T'appuies pas sur Bichette. Oh, je suis fatiguée. Pas sur Bichette, oh. Asseyez-toi là-bas. Dans deux minutes, on aura un home. Hé, regarde le manœuvre. Oh. Oh, c'est beauté. C'est vrai. Hop, et voilà, la home de madame est avancée. Madame, apprécie. Quick service. Drôlement quick. Là, votre voiture. Mais vous êtes fou, ça, c'est Bichette. Connard. Bichette, la voiture d'Edouard. Eh bien, justement, il m'a prêté Bichette. Oh, c'est pas possible. Mais si. Oh, c'est la voiture. Mais ça, c'est... Allez, allez. Oh, mais allez, hein. Mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est, quoi? C'est la voiture des... Oui, oui. Des ça, Edouard, va, ça va, ça va, ça va. Oh, voir de plus. Allez, j'assure, allez, descends un peu, allez. Qu'est-ce que vous faites? Qui descend? Très bien, mais je vais dénoncer la police. Ben oui, les forêts, justement, c'est plein de commissariats. Je présente nos petits gens. Oui, Daniel. Oui, bah t'en fais pas pour eux, hein, ils sont peinards. Allô? Alors montez vite, on va vous déposer dans une gare. Vous allez avoir une drôle d'avance, hein, la dactylo vous rattrapera jamais. Oui, ben ne parle plus des mares. Vous aurez bien emmené vers Paris, mais on voudrait travailler en route. Et il faut être sérieux dans la vie, hein. Boulot d'abord. Il y a comme ça qu'on arrive à quelque chose. Ah, bien sûr. Et puis tranquillisez-vous, on va pas garder Bichette. Hein. Elle est trop voyante. Vous avez raison. Le car arrive dans 10 minutes. Parfait. Au revoir les amoureux. Salut les gangsters. Excusez-moi, monsieur, vos papiers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? On recherche les auteurs d'un vol à main armée. C'est pourquoi on est obligé d'embêter les honnêtes gens. C'est charmant. Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Alerte à tous les barrages. Nous sommes sur la piste de la voiture qui a été volée à M. Butterfield et qui est immatriculée 1957 PL75. Oui, Butterfield, un nom hollandais, Jeffel, B comme brigadier, U comme une, deux. Mon chéri, j'en veux plus, faisons de l'autostop. D'accord, mon amour. Manuez-vous, les flics nous filent le train. Embarquez. Avec vous, ça nous donnera une contenance. Il leur expliquera, hein, Jeannot. Oh, mon Dédé, t'énerve pas. Oh, regarde, nous voilà dans la forêt. Oh, on n'en sortira jamais. Oh. C'est une obsession. Doucement, mon Dédé. On devrait peut-être se planquer dans les forêts en attendant des jours meilleurs. Voyez, il est tout seul dans les forêts si tu continues comme ça. Vous pouvez m'emmener? C'est 5000 francs. On va tout à côté, à 500 mètres. Oh! Allons! Général, ils doivent avoir leur repère dans le coin. Oh, excusez-moi, j'y croyais que... Edouard! Qu'est-ce que tu fais là? L'autostop! Mais personne ne s'arrête, alors! Tu as rencontré Bichette? Tu l'as vu passer? Oui, avec les gangsters à bord, oui. Ils sont partis par là, il y a une minute.
Oh, ben t'en fais pas, ma Lulu, on en retrouvera des bagnoles. L'important, c'est d'être vivant. En somme, vous avez manqué le virage. Ouais, exactement. On dit même que ça. Regarde. Tiens, c'est la voiture volée, ils vont pas loin, hein. Ça vient de chez le père Mathieu. Allez, allons-y, on tire ailleurs. Allez, c'est prudent. Voyons un peu, la fille. C'est par là, non? Ah, ça, je me le demande. Jean, Daniel! On n'écoute personne, va droit devant nous. Jean, Daniel! Oh, mes salauds! Tu me suis, mon amour? Oui, mon chéri, jusqu'au bout du monde. Je t'aime, Daniel. Je suis heureuse.